6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. And you're listening to Énergie. Coucou. Bienvenue sur Énergie, 9h02, c'est Manu dans le 6-9, on est avec vous encore pendant quelques minutes. Juste après, c'est dit, à la suite, comme chaque heure, il y aura Pitbull et Christina Aguilera, pardon. Pardon. Genre la vanne du siècle. J'ai dit Aguilera au lieu d'Aguilera. Mais ça m'a fait penser à Gilly, pardon, je suis désolée. Aguilera. Et l'autre qui rigole parce qu'elle a dit Gilly. Pardon, excuse-moi. On devrait faire une émission meuf. Bon, ça va. Il y aura DHT aussi. Ah. Quoi? Listen to your heart, une chanson d'amour. Ils ont son plaisir, ils ont son câlin. Bon, les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous. Après un bon coup de frais ce matin, c'est une nouvelle fois la douceur qui va l'emporter cet après-midi. 14 degrés sont annoncés au meilleur moment, alors qu'il gèle assez souvent encore ce matin en Vaucluse. Moins 3 de suite à Carpentras. 1 degré pour Avignon et Hautpontet. Un vent faible de nord soufflera cet après-midi. Des rafales de 30 à 50 km/h, mais uniquement le long du Rhône. Jeu 7 et match, l'aventure s'est rapidement terminée hier pour 3 Français au premier jour de l'Open 13 à Marseille. L'Avignonnais Benoît Paire, pourtant finaliste du tournoi de Montpellier il y a encore 10 jours, s'est fait sortir par un Indien, 354e mondial, Devarmam, en 3-7, 7-6, 6-7, 4-6. Richard Gasquet et Gaël Monfils ont également été éliminés dès le premier tour. En foot, des nouvelles de l'ex-entraîneur de l'ACR Lavignon. Thierry Lauré vient d'être nommé coach du Gazélec Ajaccio. Il avait été évincé de l'ACR à début novembre. À Bagnols-sur-Cèze, une cellule psychologique est toujours en place au club de handball après le décès d'un joueur en plein match le week-end dernier. L'autopsie a révélé hier que le décès n'était pas lié au choc avec un autre joueur. Des analyses plus poussées sont en cours. Le bon décollage d'un centre pour handicapés d'Avignon, Air France, vient de signer avec la Roumanière dans la Cité des Papes. L'établissement de services d'aide par le travail va assurer la fourniture d'1,5 million de pots de confiture de 25 grammes qui seront distribués aux passagers de la classe affaires. Les banques dans le collimateur, des députés, l'Assemblée nationale a adopté de nouvelles mesures hier en faveur des clients. Concernant certains frais liés au découvert, ils seront désormais plafonnés. Les banquiers devront aussi prévenir au moins 15 jours avant de prélever la somme sur le compte. Fini également les discriminations hommes-femmes concernant les prises et prestations d'assurance. Inquiétude après l'enlèvement d'une famille française hier au Cameroun. 7 touristes, dont 4 enfants, 5 âgés de 5 à 12 ans, ont été kidnappés, probablement par les islamistes de Boko Haram. Le groupe terroriste aurait emmené les otages au Nigeria, de l'autre côté de la frontière. Il pourrait s'agir de représailles après l'intervention française au Mali. Les personnalités préférées des ados, sondage auprès des 15-20 ans, dévoilé ce matin dans Phosphore. Honneur au symbole de la lutte contre le racisme, Nelson Mandela, le combattant de l'apartheid en Afrique du Sud, arrive en tête. Omar Sy est deuxième, Barack Obama, le président américain, est troisième. Lance Armstrong entre dans le cercle fermé des personnalités les moins appréciées. Voilà pour vos infos. 9h05 sur Énergie, Manu dans le 6-9, puis dit hit à la suite. Bonne journée. On est là comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9 encore pendant quelques minutes avec vous. Juste après, c'est dit, à la suite, tu rentres de Pitbull, Christina Aguilera, DHT avec Listen to Your Heart. C'est Manu dans le 6-9, on est là. Et avant de terminer cette émission, plusieurs choses, dont une que je viens de découvrir maintenant. Tout le monde voit qui est Faustine Bollaert? Bah, l'animatrice d'M6. Absolument, sur 100% mag. Oriane au standard? Elle est très mignonne, elle a une très belle poitrine et des cheveux bruns. Voilà. Ah bah, maintenant tout le monde voit qui c'est. C'est elle qui présente 100% mag sur M6. Et bah, on apprend qu'elle est enceinte. Ouais, ah bah félicitations. Et alors, félicitations évidemment. Et je savais pas, elle est avec Maxime Chatham. Et Maxime Chatham, c'est un mec qui écrit des bouquins, des pavés quoi, des thrillers, des trucs comme ça qui a vachement de succès. Ouais. Et je crois qu'ils sont mariés même. Ils sont mariés? Ouais. Et bah tu sais quoi, je pense que c'est un mec bien, Maxime Chatham. Ouais. Un mec qui a le mot chat dans son nom de famille. Oh, je me dis, mais attends, mais où ils vont venir là? C'est forcément un mec bien. Ah, bravo. Bon allez, avant de partir, deux choses à vous dire. La première, c'est que c'est mercredi, c'est jour de sortie ciné. Et c'est pour ça que tous les mercredis, on fait nous aussi nos films de cinéma. Sauf que nous, nos films, ils sont un peu différents des autres, puisque nous, ce sont des films de 6 secondes. Et comme chaque mercredi, vous allez pouvoir retrouver nos films en 6 secondes de l'équipe, chaque personne de l'équipe a fait son film. Nico Duweb a fait son film que j'ai appelé
Die Hard 6. C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, Die Hard, le cinquième de la série, sort avec énergie. Et Die Hard 6 est déjà pour vous, avec Nico du Web, avec un putain d'effet spécial. Ah bah attends, il y a une équipe de 30 personnes qui a bossé dessus. Hein. Impressionnant. En 6 secondes, une énorme cascade. Oriane du Standard. Ouais. J'ai appelé ce film La Danse de l'été. Voilà, exactement. Ça voulait voilà. Mettre un peu de soleil dans votre journée. Mourad, très très drôle. Alors, moi, je vous propose une petite astuce ménage. Exactement. C'est l'astuce du jour. C'est comme ça qu'on peut appeler cette vidéo. C'est un... C'était pas un film, c'est un documentaire. Exactement. Un documentaire social. En 6 secondes, c'est fort. Hein. En 6 secondes, et c'est très... C'est quoi ? Peut-être qu'elle est numéro 1 dans toutes les vidéos qu'on a faites aujourd'hui. C'est gentil. Bon. Celle de Mourad, notre réalisateur, allez la voir. Stéphanie, alors, c'est 6 secondes de générosité. Ouais. Simple, c'est tellement toi. Ça me semble important. Mais c'est bien. Ouais. 6 secondes de générosité. Allez-y, allez voir le film de Stéphanie. Et toi ? Et moi, je l'ai appelé simplement The Voice. Oh, d'accord. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a du trucage. Ouais. Il y a du trucage, il y a aussi de l'effet spécial. D'accord. Moins que dans le Die Hard 6 de Nico Duhem. Mais il y a de l'effet spécial quand même. Nos vidéos en 6 secondes, c'est tous les mercredis. Et elles sont sur notre site internet manu69.com. Et tant qu'on est dans les vidéos, nous vous rappelons la vidéo la plus importante du jour que nous avons mise en ligne pour vous, que vous pouvez aller voir. Elle est sur manu69.com. Elle est aussi sur notre page Facebook, facebook.com/manu69. Si vous arrivez en ce moment au boulot, que vous êtes en train d'arriver là, peut-être en voiture, en train de vous garer, machin, attention, si vous êtes dans un endroit où il y a un ascenseur avec plein d'étages, je sais, nous savons tous que la grande galère, c'est quand vous arrivez au rez-de-chaussée, qu'il y a zéro, que c'est blindé de monde, et qu'il y a des gens à tous les étages qui vont appeler le même ascenseur, vous allez mettre, au lieu de mettre 30 secondes pour arriver à votre étage, vous allez mettre 10 minutes. Et ben ça, c'était avant. Ouais. Parce que nous allons vous prouver et vous montrer qu'on peut, une fois qu'on est dans l'ascenseur, monter directement à l'étage désiré sans avoir à s'arrêter. Ça, c'est du génie. Si vous êtes une fille et que vous n'avez pas eu le temps de finir de vous coiffer ou de vous maquiller, que vous avez envie de vous regarder dans la glace et de rester seule dans l'ascenseur, ça, c'est une solution aussi pour vous. Vous allez pouvoir devenir maître de l'ascenseur. Comment ? Il faut aller voir notre vidéo. Vous allez sur manu69.com. C'est révolutionnaire. Oriane Osana. Sur la vidéo, on se sent tellement puissant d'être devenu maître de l'ascenseur qu'on fait une danse de la victoire du maître de l'ascenseur. Alors ne vous dites pas que c'est compliqué, c'est hyper simple. Ça marche apparemment beaucoup parce que tous les ascenseurs n'ont pas les boutons, les mêmes boutons. Non. Mais apparemment, selon vous êtes très nombreux sur Facebook à nous dire délire, ça marche. Super GTC ce matin. Ça marche. Oui, je peux le dire. Et là, je m'adresse à tous les gens qui en ce moment nous écoute dans l'ascenseur d'énergie, ça marche. Nous allons foutre la merde ici, c'est pas grave. Il va y avoir des bouchons aujourd'hui. Parce que nous on l'a testé pendant plusieurs jours, on était les seuls à le faire, maintenant tout le monde va le faire. Ça va être génial. Quand tout le monde aux étages va voir les ascenseurs passer comme ça sans s'arrêter, on va se régaler. Vous aussi, devenez le maître de l'ascenseur. Partout où vous irez, dans une tour, dans un immeuble, lorsqu'il y aura un ascenseur, vous pourrez devenir le maître de l'ascenseur et ne pas avoir à vous arrêter aux étages quand les gens appellent l'ascenseur. Vous savez quoi, je suis heureux, je suis content aujourd'hui, ça m'a fait ma journée. Allez voir la vidéo, elle est sur manu69.com. Passez une belle journée. Comment ne pas passer une belle journée avec ça? 9h09, tout de suite c'est 10 hits à la suite, comme chaque heure sur Énergie. On revient dès demain, on sera là à partir de 6h. Bonne journée et à demain. Tous les matins sur Énergie. Énergie.